Faire ses propres cartes de vœux, c'est super tendance. Vos amis seront ravis de recevoir des cartes réalisées de vos mains. Vous leur ferez plaisir et vous passerez de bons moments à les réaliser. Mais si vous en avez beaucoup, ça devient un vrai marathon. Alors voici quelques conseils pour augmenter votre productivité et tenir la cadence. Allez, c'est parti! Conseil numéro 1. Utilisez du matériel adapté et prêt à l'emploi. Pour ma part, j'utilise des cartes au format 10-15 de la marque Clairefontaine, la gamme Fontaine. Ce sont de petits blocs de papier encollés sur les quatre faces avec une petite fente pour séparer les feuilles. Ils sont très pratiques. Le format correspond au format des enveloppes pour un envoi postal. Et on n'a pas besoin de fixer le papier sur une quelconque planche, ça ne gondole pas à ce format. Donc tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Conseil numéro 2. Faites des séries, c'est-à-dire peignez le même modèle de carte en plusieurs exemplaires à la fois. Moi j'ai acheté plusieurs blocs de papier, ce qui me permet de peindre plusieurs cartes en même temps. C'est un gain de temps. La palette de couleurs est prête pour les trois cartes à la fois. Bien sûr, ceci ne marche que si le modèle de carte est assez simple. Sur les cartes du type paysage, il est parfois plus compliqué d'en faire plusieurs en même temps parce que ça sèche trop vite. Conseil numéro 3. Simplifiez vos modèles de cartes. Adoptez des modèles simples. En fait, il existe trois types de cartes selon moi. Les cartes abstraites avec un message, les cartes abstraites mais avec un motif figuratif simple, et enfin les petits paysages ou les personnages. Concentrez-vous sur les motifs que vous maîtrisez facilement. Les sapins, les feuilles de houx, le gui, ce sont des modèles simples qu'on peut recycler dans différentes cartes. Évidemment, les paysages ou les personnages sont beaucoup plus longs et difficiles à réaliser. Conseil numéro 4. Simplifiez-vous la vie avec des techniques faciles. Pour ma part, j'écris toujours les messages au feutre, parce que j'ai toujours beaucoup de mal à écrire avec les pinceaux. On peut également utiliser les liners pour dessiner quand on a quelque chose de tout petit à dessiner, par exemple la silhouette du Père Noël sur cette carte. Moi je fais ça au liner, pas de souci, on ne se complique pas la vie à faire ça au pinceau. On peut également recourir au sèche-cheveux pour sécher un lavis tout de suite sans attendre et gagner du temps. Conseil numéro 5, enjolivez vos cartes avec fantaisie. Une carte très basique peut devenir très attrayante quand on utilise des paillettes, des feutres dorés ou argentés, un peu de sel sur un lavis qui va créer des fleurs. Ce sont des petites astuces qui permettent d'améliorer ces cartes et de produire sans déployer des techniques très difficiles de peinture. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous serviront pour réaliser vos cartes de vœux. Si vous avez besoin de tutoriels pour réaliser les cartes de vœux présentées dans cette vidéo, suivez le lien. À bientôt, salut !